Je l'ai toujours dit au temps du professeur Alpha Condé. On nous disait, oui, il y a les victimes, il y a ceci, cela. Mais on ne nous a jamais donné des preuves palpables. Ce qui se passe avec les bandits, regardez. Vous voyez le gars? D'abord, je vais vous montrer comment ça est. Partagé dans tous les groupes. Regardez sa main. Il est armé en pistolet. Il est armé en pistolet. Vous le voyez. Et regardez. Hein. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Quand on parle, oui, je l'ai toujours dit ici, les mauvaises personnes qui ont fait le coup d'État, là, leur plan depuis le temps du professeur Alpha Condé, parce qu'on n'a jamais vu ces images pareilles. On n'a jamais vu ces images pareilles. Ils faisaient tout pour coller. Aujourd'hui, là, les voici devant les faits. C'est tellement flagrant. Tellement flagrant. Ils tirent, ils n'ont même pas peur. Ils n'ont pas peur. On va montrer et partager. Regardez, c'est incroyable. C'est incroyable comment ça tire. Vous avez vu l'image de Bala qui était là à mentir, à dire certaines choses. On a dit marche pacifique parce que vous empêchez les gens de sortir. Il faut qu'on exprime notre ras-le-bol. Vous ne pouvez pas prendre le pays en otage et continuer à faire souffrir les gens. Mais comme vous ne voulez pas des marches pacifiques, oui, c'est incroyable. Ils sont armés. Ils sont armés jusqu'aux dents. Ces bandits-là. Mais tôt ou tard, ça va aller. Voilà, on dit un jeune de 17 ans est à Koloma par les gendarmes. Mais qui va dire que non, ça, c'est pas vrai? C'est pourquoi ils ont peur aujourd'hui de nous, mes pages depuis hier. Ils sont en train d'attaquer. Ils ne veulent pas qu'on parle. Ils ne veulent pas qu'on dénonce. Ils payent des experts contre nos pages parce qu'ils ne veulent pas que les gens voient le direct. Mais vous allez vous fatiguer. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Nous allons continuer. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ça, c'est les forces de l'ordre. C'est les forces de l'ordre de Bala Samoura. Donc, ceux qui viennent dire, oh non, c'est faux là, vous avez vu maintenant. Non, c'est faux. Quand on parle, non, c'est pas vrai. Vous mentez. Voilà. Là, je crois que vous-même, vous êtes ébahis actuellement. Vous ne pouvez rien nous dire. Vous voyez, son pistolet à main. Très bien. Ça, partagez pour que tout le monde voie. Et les tenues là, c'est les éléments de qui? L'autre tenue, on sait. Ça, c'est les gendarmes, non? La tenue là, c'est qui? C'est pas les gendarmes?
Cette tenue, c'est les gendarmes qui portent la tenue là. Ok, toi, Daouda Kondé, ni Danka Ikor, toi tu es banni sur cette page. Danka Ding, Mbara Falunyeno. Voilà. Vous voyez? Vous voyez? Quand on vous montre maintenant les preuves, c'est pour venir vous flanquer. Ah non, 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 non. Vous cherchez quoi? Les bandits là, ils doivent dégager. Les narcos qui sont là, là. Les narcos doivent dégager. Il y a déjà, on a entendu déjà qu'il y a des victimes. Mais nous, on prouve, on montre aux gens. On est en train de vous montrer. Bala avait été aujourd'hui, il dit non, il n'y a rien. C'est quoi ça, Bala? Voici tes éléments à visage découvert, pistolet à main. Et il tire, Bala, c'est ça. Bala. Et après, vous allez dire que non, il n'y avait absolument rien. Sidiba, je sais que tu es fâché, mais tes têtes de mort là, si tu mets, je risque de te bloquer ici. Voilà. Je sais que c'est pas moi qui l'ai fait. Moi, je suis en train de faire mon direct. Tu mets tes têtes de mort, tu n'enlèves pas, je vais te bloquer. Voilà, c'est très simple. Nous, on essaie de montrer aux gens ce qui se passe actuellement. Si c'est pour venir mettre tes têtes de mort d'une manière, tu es mécontent, c'est pas sur ma page. Va mettre sur ta page que tu es mécontent. Ça, c'est le travail. Oui. Aujourd'hui, les balas là, le tapissier, ils veulent pas quitter. Le tapissier, ils ne veulent pas quitter. Ils sont là à tromper les gens. Non, les gens de l'Axe. Attendez, je vais vous faire écouter le même bala. Des menteurs comme ça là. Des petites personnes comme ça. Voilà, comme vous le voyez, hein, moi je suis juste de passage pour voir un peu Écoutez. le bon fonctionnement du dispositif de prévention qui a été lancé depuis hier soir. Si le dispositif il fonctionne effectivement en fonction des consignes, et c'est ce que je suis en train de constater, que les forces de police et de gendarmerie sont en train de se comporter en bon professionnel. Notre constat est que la population sur l'axe est fortement intimidée à travers les propagandes. Et dès que lui, il est passé, que non, pour vérifier si les dispositifs, toi-même tes éléments, c'est les gendarmes qui sont en tenue bleue là. Ce sont les gendarmes qui sont habillés comme ça, Bala. Un tapissier comme ça, Koho commandant. Général Baldé était là, on n'a jamais vu. Des malhonnêtes comme ça là. Vous prenez le pays en otage, des bandits, des narcos. Hein? Koho. Que le minimum de menaces sur leur sécurité. Ah ouais, merci. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est toi-même, Bala. Que le minimum de menaces. Voilà. Bala, ça c'est quoi ça? Minimum de menaces. Ça, ce n'est pas des menaces. Bala Samoura. Ça, ce n'est pas des menaces. Et ça tire encore. Que non, nous nous sommes là pour garantir, pour assurer la sécurité. Bala, c'est tes éléments. Bala, c'est tes éléments. Voilà, ceux qui étaient en train de tirer là, c'est les hommes en tenue bleue. C'est les éléments de Bala. Ils pensent que non, la violence là, vous allez intimider quelqu'un. Ce qu'on doit demander, c'est le départ des bandits. Des cambrébas comme ça, des narcos. Vous prenez le pays en otage. Et vous prenez nos cadres, les élites, les mettre en prison. Wallah, vous allez partir. Nallah, Inch'Allah, Aldiwafeu. Des faux types comme ça. Et j'entends des gens dire ici que non, c'est des images truquées. Ça, c'est des images truquées. Vous pensez que le mensonge là, ça, c'est truqué? Des vauriens comme ça. Ça, c'est des images truquées. Ça, c'est truqué. On vous demande de laisser les gens tranquilles. On vous a demandé de créer un cadre de dialogue. Mais des bandits. Hein? Mais il faut que les gens se réveillent.
Moi, Nyamaka, les bandits là sont venus pour gâter ce pays. Son visage est découvert. Il n'est pas caché. Ils n'ont même pas peur. Regardez son visage. Il n'est même pas caché. Bala, c'est lui, c'est qui? Son uniforme, lui, il est anti-balle. Lui-même, il porte anti-balle. Et il tire sur les gens. Regardez-le. Il porte anti-balle. Il est protégé. Mais regardez son travail. Il porte anti-balle. Lui-même, il a peur. Regardez-le. Il porte anti-balle. Son pied, il est protégé. Mais il tire sur la population. Et Allah, quand on parle, les Aliou Bokakouma. Moi, je vous ai dit, le CNRD, c'est des bandits. Mais le problème, c'est l'armée guinéenne. C'est l'armée guinéenne. Assumez-vous. Prenez vos responsabilités. On dirait qu'il n'y a pas de conseil militaire. Assumez-vous. Un légionnaire, un bandit, Idi Amin et son petit clan. Un petit clan ne peut pas venir s'imposer sur vous. Quand est-ce que vous allez comprendre cela? Vous avez tout le soutien du peuple de Guinée. L'armée guinéenne. Hein? Aujourd'hui, vous voyez? Benin, demain, vous allez voir Charles Wright. Ok, pour site, parce que tout le monde va parler de ça. Tout le monde va parler de ça. Demain, à la une, vous allez voir Charles Wright. Ok, le ministre ou le procureur ouvre des dossiers contre cet agent qui avait les armes. Mais d'abord, ils ont réquisitionné l'armée. Ils ont réquisitionné l'armée. Manifestation pacifique. Là, tu ne parles pas de ça. C'est demain maintenant, vous allez venir nous dire, oui, on va émettre des poursuites contre cet agent. Parce qu'il a un visage découvert. Voici. Ce qu'on demande, c'est le départ des bandits. On en a marre de ces bandits-là. Vous êtes là en train de tuer les gens. Après, vous mettez nos cadres en prison. Vous continuez à semer le désordre. Personne ne doit parler. Vous allez vous fatiguer. Moi, je vous ai dit, contre ma page ici, vous allez vous fatiguer. Parce que c'est ça aujourd'hui. Vous payez des gens, ils sont assis parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle ici sur les réseaux sociaux.